Bienvenue sur ma chaîne Univers Nature et sa richesse. Aujourd'hui, notre sujet est sur les mauvaises habitudes quotidiennes qui entraînent une mauvaise mémoire. La vieillesse et la maladie conduisent souvent à une mauvaise mémoire. Le cerveau, comme le reste du corps, est affecté par les habitudes que vous faites, et cela se voit en continuant avec de telles habitudes. Voici les mauvaises habitudes quotidiennes qui conduisent à une mauvaise mémoire que vous devriez éviter, pour préserver votre mémoire même en vieillissant. 1. Ne pas dormir suffisamment. Les personnes qui ne dorment pas suffisamment chaque jour sont plus susceptibles d'avoir une mauvaise mémoire, car pendant la journée, il y a réparation et renouvellement de toutes les parties du corps, et si nous ne donnons pas à notre corps un moment approprié pour ses fonctions, de nombreux effets négatifs des effets se produiront. De plus, le manque de sommeil rend les cellules du corps incapables d'obtenir les nutriments, l'oxygène et l'énergie nécessaires à leur fonctionnement, ce qui affecte négativement la mémoire. 2. Sentiment constant d'anxiété et de tension. Le sentiment constant d'anxiété et de tension est l'une des mauvaises habitudes quotidiennes les plus importantes qui conduisent à une mauvaise mémoire. Si vous pouvez trouver un moyen de vous débarrasser du stress et de vous détendre, faites-le dès que possible, car l'anxiété chronique affecte la santé du cerveau. En effet, de longues périodes quotidiennes de stress augmentent les niveaux de cortisol dans le cerveau, ce qui entraîne des lésions des cellules cérébrales. 3. Exposition au soleil. La carence en vitamine D est associée à un déclin cognitif et nécessite donc une exposition quotidienne au soleil, car de nombreuses personnes ne reçoivent pas les besoins du corps en vitamine D en raison du manque d'exposition au soleil. On entend ici la lumière solaire est non nocive, avec la nécessité d'appliquer un écran solaire pour réduire ses effets négatifs sur la peau. 4. Un régime alimentaire malsain. Si votre alimentation ne contient pas d'aliments riches en vitamines et en minéraux dont le corps a besoin, vous êtes sujet au brouillard cérébral et au risque accru d'oubli. Il existe de nombreuses vitamines importantes pour la mémoire, qui peuvent être obtenues à partir de fruits et de légumes, comme la vitamine D, fer et vitamine B. 5. Écouter de la musique forte. Il existe un lien entre l'écoute de musique forte, la perte auditive et les problèmes de mémoire ultérieurs, vous ne devez donc pas écouter de la musique forte, en particulier avec des écouteurs tout le temps, mais plutôt l'oreille doit être soulagée des sons forts. 6. Fumer. La nicotine et les 42 autres substances cancérigènes présentes dans la plupart des cigarettes sont responsables de la mort cérébrale, par conséquent, des troubles de la mémoire. 7. Manque de mouvement et tendance à la paresse. Être sédentaire pendant de longues périodes peut affecter la santé du cerveau. C'est l'une des mauvaises habitudes quotidiennes les plus importantes qui conduisent à une mauvaise mémoire. Vous devez effectuer des activités physiques et mentales qui aident à activer le cerveau et à maintenir sa santé. Il est recommandé de faire de l'exercice régulièrement, car cela garantit que vous préservez la mémoire et la cognition pendant de nombreuses années, et vous devez également faire des activités mentales qui nécessitent le fonctionnement de l'esprit et de la pensée. 8. Manger des aliments gras. Dans le cas d'une alimentation riche en graisse, les risques d'altération des fonctions cognitives dans le cerveau augmentent, car les graisses malsaines entraînent une perturbation du fonctionnement du cerveau, une hypertension artérielle et un risque accru de maladies cardiovasculaires. Il est recommandé de manger des graisses saines en quantité raisonnable, qui aident à maintenir la santé de toutes les parties du corps. 9. Trop de sucre. Les aliments riches en sucre entraînent également une mauvaise mémoire, en effet, le taux élevé de sucre dans le sang provoque des perturbations dans les fonctions de certaines enzymes du corps, ce qui affecte le cerveau. Seuls les fruits riches en sucre naturel doivent être consommés. 10. Travailler en étant malade. Affaiblit le corps. Si vous insistez pour terminer le travail, l'effort supplémentaire requis pour faire fonctionner le cerveau entraînera une diminution notable de son travail au fil du temps. 11. Se couvrir la tête en dormant. Elle est dangereuse pour le cerveau, car cela conduit à augmenter les niveaux de dioxyde de carbone et à réduire les niveaux d'oxygène nécessaires au cerveau, ce qui affecte l'activité cérébrale si cette mauvaise habitude persiste. 12. Négliger les maladies chroniques. Le diabète et la pression artérielle affectera la santé du cerveau. Par conséquent, vous devez faire un suivi continu avec le médecin et respecter la prise des médicaments pour ces maladies aux dates et doses spécifiées prescrites par le médecin. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir les nouveautés et pour plus d'informations, visitez mon site mangersaine.com.